C'est quoi le but de ta beauté si tu ne bois plus? J'ai mal à la tête. Les amours. Allez, c'est quoi le but de ma beauté si oui, tu ne bois pas? Tu ne bois pas. Tu ne bois pas champagne. Tu bois tu connais, c'est quoi ça? La beauté, elle est gaspillée comme ça. Mes amours, mes caviar, mes champagnes. Je suis avec ma caviar suprême. Jolie femme. Femme très respectueuse. Très, très, très respectueuse. Elle a été éduquée, elle n'a pas été élevée. Donc, ça veut dire qu'elle est venue me voir. Voilà. Elle est venue me voir. Elle avec sa fille. Sassi. Voilà une fille qui était très talentueuse dans les séries. Quelle est la série? Elle est toujours. Elle fait toujours. Elle fait toujours? Oui. Oui. Quelle est la série? Elle a fait une série qui a marqué. C'est ça, Sassi. Sassi. Sassandra. Sassandra, voilà, c'est ça. Elle a fait une série, Sassandra. C'était très, très, très intéressant. Très, elle son regard là même, je dis, c'est une comme ça. L'écran. Donc, elle est venue avec sa fille, Sassi. Elles sont venues. Sassi, viens, on te voit. Viens, viens, viens. Elle est timide, hein. Elle est comme sa mère. Ah, oui. Tu es en forme, elle. Tiens! Sassi, dis est dans le film là. Elle est dans le film. Voilà, donc je sais que je pose des questions. Okay. Voilà, là je joue. Faut qu'on te voie. Elle m'a fait aussi. Non, mais elle me fait sa main aussi. Laisse ma chérie. Non, mais je la sens venir. Parce que quand ça le prend, elle a fait un salut, mais je prends le contact. Chanteuse, vous avez un titre franchement qui a fait un carton. Hein. C'est, je pense que c'est le titre qui vous a vraiment révélé. Dieu te voit. Voilà, ce titre-là, vraiment, c'était très, très, très parleur. C'est-à-dire que là, tu t'adressais aux Jatao, voilà. Aux sorciers, à tout le monde. Aux c'est hypocrites. Une interpellation à la crainte de Dieu, je dirais. Oui. Mm-hmm. Voilà, aux hypocrites et tout ça. Dieu te voit.
C'est ce que je dis, ce titre est révélateur. Oui. En fait, il est, c'est une interpellation. Pour dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu au devant. C'est ça. Donc, quand tu fais du mal à autrui, pense que Dieu te voit. C'est ça. C'est très, très, très bien dit. Oui. Donc, ça veut dire que Dieu te voit. Voilà. C'est quand tu es en train de faire dans le moi, là. Dieu te voit. Et puis, bon, c'est dire que voilà un son. Un son, c'est dire que le son même, c'est un son qui touche les nerfs sciatiques. Oui, c'est important. C'est un son qui touche les nerfs sciatiques. C'est-à-dire que ce son, il faut me faire. Ah, il faut me faire. C'est-à-dire que le test, le sujet même, c'est le thème est parlé. C'est un thème que j'aborde très souvent. Il faut me faire. Parce que c'est pour ça qu'en fait, tu as aimé la chanson. C'est ça. C'est pour ça que j'ai aimé. Parce que tu en fait, les gens... Ce que j'aimerais dire aux gens, les gens pensent en fait que tu es vulgaire ou certains, ou que, mais je dirais pour moi que tu es terre à terre. C'est ça. Tu trouves le mot juste pour ce qu'on a du mal à expliquer. C'est ça. Ouvertement aux gens en bon français. Et au départ, ça peut choquer, mais au fil du temps, finit par aimer. C'est ça. Parce qu'en fait, on se retrouve, chacun se retrouve dedans. C'est ça. Et je pense que ton succès est parti de là aussi. Voilà, tu as tout compris. Tu as tout compris. Même ceux-mêmes qui trouvaient que j'étais vulgaire, c'est parce qu'ils sont coincés. Mais aujourd'hui, je les ai déjà. Tu comprends un peu? Donc, ça dit qu'il faut me faire. Il s'agit en fait d'une femme qui est dans son foyer, qui est mariée. Et puis son mari joue le coincé. Et puis quand elle lui dit, mais il dit, il faut m'envoyer dans les univers où on parle la langue de Abla Poku, la langue de Ripopo et de Ripapa. Le gars lui dit non, tu es trop ma femme, il te respecte trop. Et puis elle se rend compte que il a un mouvement, c'est-à-dire gère un mouvement. Et puis là-bas, là, il est Rocco Siffredi, c'est ça. Mais elle se dit, mais attends, donc c'est dit que toi tu fais ça là dehors. Et puis moi tu me dis que non, je suis trop ta femme. Respect. Tu me respectes trop. Pardon, il ne faut plus me respecter. Faut plus faut me respecter. Faire. Oui. Les positions à l'amour, j'ai déposé les clés, il y en a marre. Mais en fait, on parle dans les deux sens aussi. Hein. Oui. Ça veut dire en même temps que je parle aux hommes, mais en même temps, c'est pour dire aux femmes qu'à un certain moment, tu peux être mariée, mais il faut essayer de séduire ton mari. C'est vrai. Parce que c'est pour ça qu'au début du clip, tu vois que les gens vont dire à Sassy, il faut arrêter de porter ça. Femme mariée porte un peu les nuisettes. C'est ça. Parce que ton mari, quoi qu'il arrive, quel que soit l'âge, a toujours besoin d'être tendu. C'est ça. Donc ça va aller du vêtement jusqu'au maquillage, jusqu'à l'entretien des ongles, en fait, on dirait. C'est donc vrai. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent, ça fait 10 ans que je suis dans mon foyer, j'ai plus rien à prouver. On a toujours quelque chose à prouver. Vraiment. Vraiment, la séduction, c'est à vie, quoi. C'est à vie. On a toujours. Donc, pour ne pas que ton mari, justement, aille dehors, mets les pratiques, mets tout ce qu'il y a, ta connaissance et tout ça. Et puis, il va te faire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, ce thème, il est vraiment très intéressant. C'est un thème que j'aborde très, très souvent. Et voir ça comme ça dans une chanson, je me dis, franchement, il y a des gens qui pensent comme moi. C'est-à-dire que toi, tu as donné des conseils aux femmes, tu t'es adressé aux femmes à ta manière, à travers la musique, parce que c'est ce que tu sais faire. C'est ça. Moi, c'est à travers le coaching, parce que c'est ce que je sais faire. Mais là, il y a une bombe qui arrive. Il y a une bombe qui arrive. C'est-à-dire que mes caviar, mes champagnes, vous ne me sentez pas parce que je ne suis pas dans les narines de téléphone. Mais je vous dis que. Oui, je vous dis qu'il y a une bombe. C'est-à-dire qu'une bombe nucléaire. Le son qu'elle entend préparer là. Le son qu'elle entend préparer là. Il y a dit le thème. Mais c'est un thème. C'est qu'on va se faire dans ce son là. Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu es toujours. Tu touches toujours les thèmes que j'aborde. Tu vois, non? C'est pour ça que j'aime. Parce que même le son même qu'elle va faire sortir là, ça touche aussi les thèmes que j'aborde très souvent. Tu vois? Il y a que la bombe qui se prépare avec slide de slide. Il faut que les gens comprennent aussi que le chanteur ou la chanteuse est la voix des 100 voix. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on fait de la musique, mais il faut qu'on fasse... C'est pas... Comme je l'ai dit aux gens, chaque artiste a son temps d'élévation. C'est ça. Le plus important, c'est de rester constant et apporter des titres qui vont durer dans le temps. C'est vrai. C'est pas de courir pour dire que je suis la meilleure ici. C'est important d'être la meilleure, mais dans le travail et de rester constant. Et nous, aujourd'hui, on a des messages à véhiculer. Ça veut dire la nouvelle génération qui est derrière, les femmes qui t'écoutent, les hommes qui t'écoutent. Quand ils écoutent ta chanson, il faut qu'ils retiennent quelque chose. Quelque chose. Ouais.
Donc, ce que les coachs vont dire, mm-hmm. ce que les gens lambda vont dire, mm-hmm. nous, on va le mettre en chanson mm-hmm. pour que quand la personne écoute, ça soit comme une récitation. C'est ça. C'est ça. Non, tu le fais bien, Yeshua Ndjoudjou. Voilà. Tu le fais, tu sais quand tu le fais tellement bien que Yeshua, franchement, tu as une révélation. Tu as été nominé au monde. Opprimé. Opprimé. Quelle catégorie? Quel talent? Comme moi. C'est quelle catégorie? Variété urbaine. Variété urbaine. Mmh. Il dit, mais caviar. Mais comment on fait pour voter? Il faut sortir les trucs. Mmh. On vote comment? Toi, peux voter, vote comment? Non, mais comment il ne sait pas? Non, Primude, là, c'est n'a rien à voir avec l'autre là. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi, non. Hein? Primude, c'est SMS. Côte d'Ivoire. Maintenant, l'autre là, c'est quoi? C'est pareil aussi. C'est quoi de moi aussi? C'est un African Talent, oui. Mmh. Là-bas, j'ai été nominée dans 3 catégories. Tu as vu ça? Ça vient un peu. Oui, meilleure artiste féminine, chanson de l'année, il faut me faire justement. Ah non, je te dis qu'il faut me faire là. Non, le son est trop propre. Le son est propre. Franchement, oh, merci pour les cœurs, oui. C'est gentil. Tu vois, mes caviars sont trop adorables. Merci. Mes caviars sont adorables. Dans le premier là, il faut faire quoi pour voter pour elle? Désolé pour certains qui disent que cela est trop calme, elle est manchante. Ah, on dit que tu es calme. Eh, on me dit ça souvent, qu'il faut que je m'ouvre beaucoup. Il faut t'ouvrir un peu aussi. Tu es artiste. Ah, tu sais que les expériences sont maso. Tu es calme, les mêmes tout. C'est quand tu es un truc, ils aiment ça. Il faut t'ouvrir un peu cela. Moi, tu as vu. Aujourd'hui, là, je suis là, des chicanes, là-bas, je suis affronté. Il faut être un peu affronté. Quand tu es affronté, là, c'est fort. Hein? Ah, mais non, je suis affronté. Comment je suis affronté? Non, moi, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas, mais fais quelque chose. Voilà, mais c'est ce que je fais dans ma musique. Oui, mais c'est si on dit que tu es calme, là. Non, coach. Tout le monde ne peut pas se ressembler. C'est un moment, il faut que, autant de nos mamans, là, y avait pas, elles n'étaient pas effrontées. Elles parlaient par leur musique. Mais autant de ta maman, il n'y avait pas Internet. Non, mais sérieux, autant de ta maman, il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet a fait que les gens, ils aiment le bruit. Oui, mais le bruit, c'est que je suis sur ma page, je fais des directs, je parle de ce que je fais. Si j'ai une émission, je veux en parler. Si j'ai... Mais je n'irai pas déborder dans des choses qui ne concernent pas ma musique. Je ne me reconnais pas dedans. Mmh. Mais je me dis aujourd'hui, je suis artiste chanteuse. Et pour ce que je fais, si mes fans ont besoin de me voir, mmh. ils iront voir ce que je fais, mes chansons, je partage sur mes pages. Et puis je fais des directs mmh. à caractère spirituel, tous les jeudis. Mmh. Voilà. Mmh. À caractère spirituel, ça c'est en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Oui. Mais à caractère artistique. Artistique, là. Tous les jours, si j'ai une émission, j'ai une variété, j'ai une nouveauté, mmh. mes vibes sont toujours informées. Mais fais un peu de bruit. Je sais pas, fais un peu quelquefois des petites sorties qui vont énerver un peu par un truc. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, les artistes font eux-mêmes. C'est quand ils te laissent, c'est faux. Parce que franchement, cela y est, tu as du talent. Mm-hmm. C'est pas vrai, tu es devant moi, tu chantes bien. Tu as du talent. Très belle voix. Non mais franchement, tu as une belle voix. Et puis tu es agréable à regarder. Ouais. Je comprends, ça dit que oui. Il y a des gens qui chantent bien qui ne sont pas agréables à regarder. Toi, tu es agréable à regarder. Puis tu chantes bien. Mmh. On doit te connaître. Il faut et qu'on te connaisse. Faire, ça va se faire. Mais je veux que ça se fasse le plus rapidement possible. Tu comprends? Parce qu'il faut que ça se fasse. Tu as du talent. Franchement, il faut que je te dise, tu as du talent. Et je pense que le succès que tu as, c'est le quart de ce que tu devrais avoir. Parce que tu as vraiment du talent. C'est-à-dire que quand on écoute ta voix, le thème de ta voix, et les sujets que tu développes, tu dois être écouté par plein de femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois être un peu comme Mati, au temps où elle moussait. Mm-hmm. Voilà, parce que Mati, avant, elle véhiculait des messages et tout. Maté. Mm-hmm. Voilà, Maté. Elle véhiculait des messages. Je pense que toi, tu dois être un peu ce genre d'artiste-là qui, mm-hmm. qui appelle beaucoup de femmes. Parce que les thèmes que tu abordes sont des thèmes qui touchent les femmes. Ouais. Qui sensibilisent. La femme. Voilà. Donc, il faut que tu... Je sais pas. Il y a quelque chose. Ça arrive. Tu es là, non? Je suis là. Et que ça arrive dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je te le souhaite. C'est pour ça que je te dis, le temps, tu vois, quand je chante la chanson de Dieu, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mm-hmm. Souvent, tu vas vouloir être pressé. Mm-hmm. C'est vrai. Parce que mais tu te dis, voici, c'est mon temps, il faut que je... Mm-hmm. Et puis Dieu dit, c'est pas encore le temps. Mm-hmm. Tu peux avoir tout le talent que tu veux, mais je sais à quel moment je vais t'ouvrir comme une fleur, comme ça. Ça et ce foi. Temps arrive. Ça s'appelle la foi. Ouais. Elle a la foi. Ça fait du bien. Mais la foi, souvent aussi.
moi, c'est en train de payer. C'est vrai. C'est vrai. Si tu as connu Dieu te voit, que tu as connu tout va bien, si. Qu'aujourd'hui les nominations arrivent, ça veut dire qu'aujourd'hui la place est en train de se faire sans bruit. C'est vrai. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu vas faire du bruit. Et puis il ne faut pas faire du bruit inutile. Tu comprends? Fais le bruit par ta musique. C'est vrai. Il y a ceux qui savent le faire, le bruit, et puis ça passe. Mais tout le monde ne sait pas le faire. C'est vrai. Si tu le fais, que tu le fais mal, ceux qui aimaient ta musique vont se détourner de toi. C'est vrai. C'est que tu dis. Donc ça ne sert à rien de faire tout ce que tout le monde fait. C'est ça, c'est vrai. Moi, je veux m'imposer par ma musique. Ça, c'est bien dit. Ouais. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est très, très bien dit. Tu vois, tu as la tête sur les épaules, c'est pour ça que je t'aime bien. Tu vois, je te connais il n'y a pas longtemps. On s'est connus à partir des Oscars, des blogueurs de mon bébé à Poutchou National. Et ce jour-là, c'est passé comme une lettre à la poste. Elle dit, elle est venue comme ça me saluer. Et je lui ai dit, tu es venue me saluer, ça me touche. Tu vois. Et elle est restée là, on est resté à la même table. On a parlé, on a causé et tout. Mais j'ai kiffé. Tu vois. Et j'ai écouté son son, là, il faut me faire. Il lui a dit. Il a dit, hey, la semaine prochaine, mon premier direct est fait là, il y a mes tons. Et c'est comme ça, elle et moi, on a commencé à échanger. Et quand il y a quelque chose, elle est dans mon inbox, à me soutenir. C'est-à-dire que quand j'annonce quelque chose, tout de suite, c'est Fanny, on voit, ah voilà ce que coach a dit. Elle est dans mon inbox. Ah, voilà ce que j'ai vu, je te soutiens. Si tu as besoin de moi, oh, je ne vais bien. Oh, c'est la fille là. Elle n'est pas belle pour rien. Elle est un bon fond. Je suis là et te soutiens. Je devais faire mon anniversaire. Elle est rentrée automatiquement en contact. Dit ton anniversaire. Je devais aller sur Abidjan. Je reporte mon voyage. Parce que je veux prester gratuitement ton anniversaire. Waouh! Oui. Mais parce qu'elle a fait spontanément pour moi. Mm-hmm. Tu vois? Elle a écouté. Elle a joué spontanément. Ça m'a touchée. Tu vois? On a dit ça ensemble. Ça m'a touché. Et après, je lui ai dit ah, que j'ai annulé l'anniversaire parce que ça faisait juste et tout. Et dès que j'annonce quelque chose, elle est dans mon inbox. Ah, voilà ce que j'ai appris. Je suis là. Si tu as besoin. Non, c'est dit que. Elle m'a dit mais. Et toi aussi. Et je la. Non, trop. Tu vois. Là, quand tu as mis là. À moi, tu me connais. Ouais. Quand elle est venue, elle m'a appelé, elle dit tu es où? Mais depuis, on ne sait pas encore. Tu m'as trouché Emma là, il y a dit pardon, je m'en vais au studio. Aujourd'hui, elle dit, ma caméra, c'est plein de choses. Il y a des positions. Position. Il y a des positions. Allez, je viens te voir là avant de partir. Ok. Donc, tu as mes caviar, mes champagnes. Je suis avec Sly, notre artiste, vraiment très talentueuse, vous voyez. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, n'attendons pas la mort des artistes. Pour les glorifier, pour reconnaître leur talent. Non. Il faut reconnaître leur talent, il faut les soutenir vivants. Cette fille qui est là, c'est peut-être ma petite sœur, mais elle a du talent. Elle aborde des thèmes très touchants, très pertinents. Elle et moi, on est un peu dans le même univers, parce que ce que je développe tout le temps, c'est ce qu'elle chante. Et il faut vous intéresser à elle. Il faut la suivre de près. C'est un talent pur. C'est un artiste qui a besoin d'être découvert. C'est un artiste qui a besoin d'être boosté. C'est un artiste qui a besoin. Où elle est là? Ce qu'elle fait là, c'est le tiers de ce qu'elle peut faire. Ça, c'est clair. Elle ne fait même pas encore la moitié de ce qu'elle sait faire. Elle a tellement de talent. C'est-à-dire, quand tu écoutes le timbre de sa voix, tu sens qu'elle ne force pas. Mais elle a juste besoin que les Ivoiriens lui montrent que ce que tu es en train de faire là, on voit. On aime, on te soutient. Ça même. Ça va tellement l'inspirer. C'est qu'elle va faire. Mais je suis contente déjà parce que voir les primus, les African Talent, les nominations me boostent. Ouais. Et tu vois que tu as écouté le bout de ce qu'on est en train de faire. Oh, c'est une bombe. Donc quand tu. Dès que ça sort, le direct en même temps, il est. Dès que ça sort, le direct, je mets en même temps. Ça fait plaisir. Oui. Et j'aimerais ici dire aussi que coach, c'est une bonne personne. Oh. Elles sont deux coachs que j'admire, que j'apprécie. Parce que moi, je ne suis pas pour les personnes qui aiment la division. C'est ça. Je ne marche pas dans la division. Quand j'ai sorti Yélé, les gens m'ont connu quand Lady Sonia n'arrêtait pas de jouer. Et c'est deux femmes que j'aime parce qu'elles sont dans deux univers comme ça. Chacune apporte quelque chose que l'autre n'a pas. Et je pense que l'Afrique doit soutenir leurs filles et leurs fils ensemble. Mais pas les opposer ou dire que toi tu es mieux que l'autre est mieux que toi. Il y a la place pour tout le monde.
Quand Dieu crée chaque être humain, c'est parce que chaque être humain a sa place sur la terre. C'est pour ça que quand on meurt, il y a la place pour tout le monde, quand on enterre les gens. Sinon, on allait dire, c'est surbooké. Donc, il faut soutenir. Et moi, je suis de cœur parce que, non seulement elle est ivoirienne, mais elle est africaine. Et chaque prix qu'elle va ramener, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique surtout. Donc, soutenons nos vivants. Fais attention, je te sens venir. Oui. Donc mes amours, c'était nous. On est entre nous. On est en train d'un peu profiter de la vie. Donc on a voulu partager ça avec vous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Aimez-nous comme nous sommes. Ne prenez pas ça pour de la provoque ou quoi que ce soit. On est vraiment heureux d'être là. Je suis contente d'être avec elle. On est à Abidjan. C'est un autre. On est en terre natale, mais en même temps, on est toutes deux quittées de l'autre côté. C'est ça. Se retrouver ici, c'est comme si on était sur une autre planète. Et ça fait plaisir de se retrouver. Donc, soutenez la coach. Elle a beaucoup à vous apporter. Là, elle est venue, elle est en train de préparer quelque chose de grand. Je vous dis, il y a quelque chose de lourd. Oui. Mais on sera là pour partager les exclusivités. On est ensemble. On est ensemble. Un bisou.